Si tu veux manger à ta faim et manger ce que tu veux manger, il te faut travailler. Lorsqu'on va prier, Dieu va t'exaucer. Mais c'est à toi de faire le pas pour entreprendre quelque chose. La Bible déclare que Dieu bénira le fruit de nos mains. Si ta main n'est pas en action, Dieu ne bénira rien. Si tu ne travailles pas, Dieu ne bénira rien. Arrête de commander. Arrête de demander. Ce que Dieu a mis entre tes mains comme un talent, vas-y, exerce ce talent. Et tu verras que Dieu te bénira lorsque tu travailleras avec ce qu'il t'a donné. Amen. Dieu est sur le point de te bénir, mais tu es encore assis. Peut-être que tu as expérimenté quelque chose qui n'a pas marché et tu es découragé. Relève-toi. La prière de ce matin t'ouvrira au nom de Jésus-Christ le ciel. Relève-toi, va faire tes affaires. Relève-toi, va entreprendre. La bénédiction de l'Éternel est sur ce que tu vas commencer au nom de Jésus-Christ. Avant, nous allons intercéder, mais si nous finissons d'intercéder, de grâce, lève-toi, va faire quelque chose que Dieu bénira au nom de Jésus-Christ si tu ne travailles pas. Si tu travailles, que Dieu bénisse tes entreprises, que Dieu bénisse l'œuvre de tes mains, que Dieu bénisse tes activités, que tu sois grand dans ton domaine d'activité, qu'on parle de toi au nom de Jésus-Christ, qu'on parle de ton entreprise, que tu sois acclamé et honoré dans ton entreprise au nom de Jésus-Christ. Devant moi, je ne vois pas de paresseux. Amen. Devant moi, je vois des hommes et des femmes dynamiques qui vont vivre de leur travail, de la sueur de leur front. Et Dieu vous bénira au nom de Jésus-Christ.